Ça, c'est ma sœur. Dans cette vidéo, je vais devenir son assistante personnelle pendant une journée. Mes mains me brûlent! J'ai fait une boulette là. Mon café. Ah, mais tu peux m'enlever, je suis sûre que je parle mal. Allô tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et guys, aujourd'hui, je vais être l'assistante personnelle de ma sœur pendant 24 heures. Ça va être génial, je vais bien en profiter. Je suis pas ton esclave, ça, je suis ton assistante personnelle. Ah ouais, parce que moi j'avais compris ça. C'est un emploi rémunéré normalement. D'accord. Un vrai emploi. D'accord. C'est bon à savoir. C'est un détail qui ne sera peut-être pas respecté. Peut-être que finalement cette vidéo va s'appeler Je suis l'esclave de ma sœur pendant 24 heures, c'est possible. J'aurais dû m'en douter. Si tu vis avec moi et moi j'ai besoin que par exemple me torcher le cul. Ah, c'est ça qui m'attend. Bah ouais. Par exemple, tu crois que l'assistance de Marie Carré a fait pas des trucs sales? C'est sûr, elle fait des trucs un peu. Non, j'avoue, elle a 36 000 employés. T'es amenée à faire des trucs, des achats, tu vois, ouais, promener les chiens. Par contre, le ménage. Ouais. Non. Bah on verra si je décide quand même. Ça se peut que je décide quand même. Franchement, si vous êtes l'assistante de James, vous allez avoir un bon aperçu. Vous voulez être au petit soin pour votre sœur tortionnaire ou bien tout simplement avoir un intérieur propre comme un sous neuf? L'aspirateur Dreamy est fait pour vous. Le tout nouveau H11 Max de chez Dreamy n'est pas seulement un aspirateur, guys. Il aspire, il nettoie et il s'auto-lave. Wonderful. Son réservoir séparé eau propre et eau sale permettent de nettoyer non seulement sur le sec mais aussi sur les taches humides. Incredible. C'est vraiment pratique quand t'as des dégâts avec des animaux ou des petits enfants. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette tâche? Et c'est humide. Je vais vraiment avoir du mal à le nettoyer. Avec l'aspirateur Dreamy, plus aucun problème. Il peut aspirer le sec comme le mouillé. Il fait le boulot tout seul, il détecte tout seul qu'est-ce qui a besoin d'être aspiré, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé. Vous voyez ce rouleau parfaitement propre? Il va essayer à cause du nettoyage, mais avec la fonction auto-lavage, il se nettoie tout seul et il est comme neuf. Il suffit d'appuyer ici pendant 3 secondes et le mode auto-lavage commence. Et après, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est un super aspirateur. Et maintenant je retourne exaucer les moindres désirs de ma boss. Est-ce que tu veux que je te donne ton petit programme de la journée ou tu préfères découvrir au fur et à mesure? Je préfère avoir la surprise parce que honnêtement ça me fait peur. Ouais, tu vas être un peu overwhelmed si je te le dis maintenant. Ça s'annonce intéressant. Bon, je vais commencer ma journée de manière exemplaire. J'ai une grande passion pour le café et je trouve que c'est un indispensable pour commencer une journée. Donc, on va lui prendre ça. Mon objectif, c'est qu'elle m'embauche à la fin de la journée. Une bonne assistante connaît les goûts de son assisté. Du coup, je sais pas si je vais prendre juste un café, je vais peut-être lui laisser le choix. Je vais prendre un café régulier et je vais prendre deux sucres. Pas de crème. Et qu'est-ce que vous avez en boisson fraîche? Je vais vous prendre un jus d'orange aussi. J'espère que j'ai fait le bon choix. Je pense qu'elle s'attend pas à ce que je sois une assistante sérieuse, genre. Ah, ça me brûle. Mes mains me brûlent. J'ai les mains qui brûlent. Ah, je brûle littéralement. Je vais brûler. Les chiens vont me sauter dessus. Bonjour Soy. Tenez Soy. Oh merci, c'est gentil. Je me disais qu'une bonne assistante devait donner des boissons. Franchement, initiative et tout, je vais t'embaucher. Hein. Bah franchement, c'est le but de la journée. Hein. Eden, t'es parti par contre quoi? Eden. J'ai fait évader. J'ai oublié de fermer la porte d'entrée, les chiens sont partis. J'ai fait une boulette là. Je crois que j'ai fait une petite boulette. Ah il est revenu, c'est bon. Aïe, j'ai un chien dans le cul. Bon là ils vont faire une petite séance de criage pendant 30 minutes. Okay. Moi je suis vraiment, je vis à l'heure au lieu de jour le jour. À l'heure. Dis-moi ce que t'as besoin, sinon je prends des initiatives. Je pense qu'une bonne assistante personnelle prend des initiatives. Ouais, t'es bonne en initiative en plus. On va devoir déjà peindre de l'autre côté. Tu vas devoir m'aider. Je peux pas peindre en bâtiment. Hein. Bah oui, tu vas devoir m'aider à peindre les murs en fait. T'as vu ma tenue? Oui bah écoute, fallait que t'emmènes un truc de chantier aussi. Je savais pas qu'il fallait venir en fucking salopette. Bah moi si. J'ai pas de salopette. Bah tu vas te tâcher, hein, je te le dis direct. Je vais être une pauvre tâche à la fin de cette vidéo, ouais. C'est sûr. J'ai besoin que tu me fasses une miniature, donc on peut directement commencer par ça. Ok, je vais être assistante personnelle, monteur, infographiste, ouais. Femme de ménage, ça va être génial. En fait je te rajoute carrément le travail parce que j'ai déjà fait ma miniature. Mais je vais voir si tu es capable d'en faire une mieux pour que j'ai le choix. Okay. Ça se peut que tu travailles pour rien parce que j'assure que je choisisse la mienne at the end of the day. You know what I mean.
J'aurais dû me prendre un café pour moi aussi. Bah prends-le, moi j'en ai un. Ah ouais? Bah ouais, prends-le. Ok. Ah vous surveillez ce que je fais tout le long. Non, non, c'est ce genre de patronne qui lâche. Non, c'est juste qu'il faut pas que tu tombes sur des dossiers. Ah, tes nudes et tout. Ouais. Je peux gérer tes nudes, je peux te faire un OnlyFans si tu veux. Franchement, non, merci. Ok. Oui, mon fils, assistante va te promener juste après. Oui, mon cœur va ramasser ton caca, je sais qu'elle adore ça. Oui, mon fils. Tu peux voir que mon bureau n'est pas un bureau. Hein. Il faut que je trie ton bureau là. C'est un fucking camoulox. Y a pas de nudes au moins. Ça, qui est bien. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Non, mais son bureau, je vous jure, c'est la troisième guerre mondiale. Ouais, on le voit. Ça me stresse. Ouais, c'est horrible. Moi, je compte réinitialiser mon ordi tellement je veux pas trier. Et si on le prenait et qu'on l'éclatait contre un mur? Mais c'est ça que je compte faire. Ok. Du coup, la vidéo c'est... C'est quoi le titre? 30 minutes pour devenir une bombe atomique. Ok. Donc dans le fond c'est un get ready quoi. Allez, bah je te laisse, en attendant je vais faire un peu de rangement. Ok. On va aller faire une miniature de folie les gars. Est-ce que tu veux des lunettes pour y voir plus clair dans mon jeu? Oui, merci, ça va beaucoup m'aider ça. Ah oui, je sens que là d'un coup je suis plus intelligente. Ah, ouais, là. Ouais, ça joue. Ok, cimer. Ça me va ou quoi? Tu parles mal? Non, okay. Je parle pas mal, je parle toute seule. Est-ce que je vais me ramasser des coups si jamais je parle mal? Est-ce que je suis Cendrillon genre? Bon les gars, j'ai fini la miniature de Jan, j'ai un peu le trac de lui montrer, je vous avoue c'est la première chose que je fais pour elle aujourd'hui. Je sens qu'elle va me juger, mais la question c'est, est-ce important? Et la réponse est oui, parce que je veux me faire embaucher à la fin de cette journée. Oh my god, j'ai le trac. Soy, si jamais elle aime pas, toute ma carrière est remise en question. J'ai les genoux qui claquent, j'ai les dents qui tremblent, j'ai mon gras de poulet qui frisote. Les gars, elle est vraiment partie, hein. Elle s'est barrée, genre. Jan, je suis livrée à moi-même, les gars. Qu'est-ce qu'elle voudrait que je fasse? Je vais ranger sa pièce. Ouais. Jan est partie, je sais pas ce qu'elle est partie faire. Du coup, en attendant, je vais ranger. J'ai la flemme en fait. Je vais pas ranger en fait. C'est une mauvaise idée. J'ai commencé à déplacer 2-3 trucs et là je me suis rendu compte à quel point la tâche était ardue. Je suis pas Françoise Hardy moi. Alors que je promène ces énormes bêtes après, ça va être une horreur. Vous savez ce qui va être encore plus une horreur? Ramasser leur grosse merde. Bon attends, je pars en quête de ma patronne qui a disparu là. Patronne? Patronne! J'ai retrouvé la patronne les gars. Yes, elle est là. Yes. Non parce que là j'étais au boulot là. C'est un patron bâtiment cette fille. Elle... Non mais je suis chef de chantier. Si vous vous demandez ce qu'elle fait quand elle fait pas des vidéos YouTube, elle est dans des chantiers genre. Elle mène une double vie. Mais... J'ai fait ta miniature. Ah, trop bien. Oh classe. Franchement c'est pas mal hein. Je te montre ce que j'ai fait ou quoi? Ouais ok. Attends t'as bien enregistré comme ça si... Ah non j'ai pas enregistré. Ah bah là. Je t'avoue que j'étais un peu stressée là parce que c'était la première chose que je faisais pour toi. Okay. Et j'ai envie de me faire bien mais voir. Mais écoute, tu passes le test, tu passes le test pour le moment. Ça fait zizir. Tu fais bien ton travail. C'est un mess cette vie, il y a des chiens qui pètent. Ah mais non, c'est le jouet. Oui, c'est le jouet. Je pensais que c'était ton trou de balle. Ah, c'est bien ça. Ah, mais c'était sur quelque chose comme ça, ouais. C'est un autre style, c'est tout. C'est un autre style. Mais j'allais enlever plein d'éléments, il y en avait trop. J'allais enlever l'horloge, ça me plaisait pas en tous les cas. Mais j'aimais bien le flou avec la petite photo. Et ouais, moi j'aime bien le chrono, ça fait un peu genre. Ça va? Ça fait un peu genre, ouais, truc infernal de temps. On est sur deux salles, deux ambiances, quoi. C'est vraiment super différent. Moi j'aime bien les deux, mais les deux sont vraiment deux modes totalement différents. Oh bah, on va voir ce que j'en fais hein, de tout ça. Hein. Bon, on passe à la prochaine activité, Romy Victory. Très bien, patronne. Dites-moi. Je vais me prendre une petite gorgée de café, puis on va commencer à sabler tout doucement les murs. Hein? Allez. Mais tu crois que je suis venue ici pour manger des biscuits? On va faire de la cuisine? Ok. Pourquoi il faut qu'on fasse des sablés? Mais tu veux mettre du sable dans les murs? Non, sabler ça veut dire lisser les murs en fait. Pour vrai? Ouais. J'avais pas compris. Non, pour vrai, tu sais pas ce que c'est. Non, sabler, je sais pas ce que c'est. C'est vrai, non, tu te fais ma gueule. Mais non, poncer, je connais pas le mot sabler. Bah c'est pareil, non? Je connaissais pas sabler. Attends, mais c'est pour moi, mais c'est poncer le vrai mot, t'as raison. D'accord. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. Avant, j'aurais besoin de faire un petit tour. Ok, on y va, on y va, on y va. Allez. Si ça te dérange pas, bien sûr. Hein. Bah non, de toute façon, j'ai rien à dire, moi, en un sens. Le nettoyage des orteils, est-ce qu'elle l'a fait aussi? Non, lui donne pas de mauvaises idées, s'il te plaît. Vous nettoyez ces fucking orteils. Tenez, patronne, votre jus, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est important, hein, pour avoir une belle peau. Merci, merci. Tu peux m'ouvrir ça, s'il te plaît? Ah. Ouais, merci, je sais pas pourquoi les gens arrivent toujours à ouvrir en 2 secondes quand je demande. Direction Mondou, je sais pas ce qu'on va faire, mais bon, je suis son taxi aujourd'hui. Je te mets l'itinéraire, hein. Okay, hein. Normalement, les assistantes elles parlent comme ça, tu sais. Ah bon?
Ok. Bah oui, merci. Après, je vais te prendre en photo. Oui, je veux bien. Il faut alimenter tes réseaux sociaux. Ouais, il y a besoin parce que là, ils ont faim. Donc là, c'est l'automne. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une petite photo un peu automne vibe si t'es ok. Parce qu'il faut que tu aies des photos un peu dans la saison d'automne. Bah, franchement, tu me pousses à faire des bonnes choses et j'apprécie le geste. Après, ce serait bien aussi que tu fasses quelques stories. Oula, tu m'en demandes beaucoup quand même. Mais je vais m'en occuper, ça. Je m'occupe de tout. Oh, merci, tu pourras me prendre pendant que je peins et tout. Arrête, tu vas me donner envie de prendre une assistante. À nous deux, Edel. Ça t'y est réjoui. Est-ce que là, il a besoin de faire caca ou quoi? On verra, c'est lui qui décidera, Roman. Je sais que t'adores ça, je sais. Tu vas pouvoir en profiter. Ah, je vais savourer chaque instant. J'ai pas trouvé les sacs à caca, alors tu auras un sac plastique comme ça. Hop. Super. Tu sais que tu peux l'emmener dans le magasin? Ah ouais? Bon, bah finalement, je vais suivre. Tiens. Il est en train de faire un rôti avec ma main. À chaque fois qu'elle lui parle, il tire un peu plus sur la laisse. Vous voyez la main dans le Scary Movie? C'est clairement ma main à la fin de cette vidéo. Je sais pas si on a le droit, mais il a pissé sur le magasin. C'est pas vrai? Si. Il fallait le dire. Ah, sur le magasin, tu veux dire? Ouais. Sur la façade, quoi. Sur la façade, okay. Pas à l'intérieur. Bah, ça va. Toi, à chaque fois, tu dis rien quand tu fais une bêtise. Je t'ai acheté des sacs à caca pour que tu puisses ramasser sa mère. Ah, merci, j'avais une petite envie, justement. Au pied, Eden. Au pied. Au pas. Au pas. Ah non, je suis pas de la merde, hein. Mais il pisse. Okay. Tu sais qu'il connaît la commande fais ton cac? Ah non, 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 non. Fais ton cac, Loulou. Fais pas ça. Fais ton cac. Non, 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 fais pas. Je t'ai dit qu'il connaissait la commande. Il a chié une grosse merde. Il a chié une gigantesque. Mais oui. Merde. Oh, c'est gros. Non, c'est tout petit là. On dirait le caca de mon père. Allez, vas-y. Yo. Tiens, tu peux. Oh non, je comprendrai jamais. Mais si, c'est rien. Je comprendrai. Non, mais tu sauces tellement. Allez, tiens. Attends, attends. Déjà. Ah non, fume pas ça, mon dieu, je dois remonter après, j'aurai ça dans mon fucking montage. C'est beau, moi je trouve, ça va. Ah. On dirait un gâteau. Ah non. Pourquoi deux? Toi, tu prends un pour chaque crotte? Oui. Allez, vas-y. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est rien du tout, mais c'est rien. Allez, tu retournes. Mais là, t'as utilisé tes deux mains. Mais t'es con. Fallait que tu utilises une main. Attends. Putain, t'es concombre, hein. Reprends le chien là, je vais fermer les sacs. Mais prends le chien. Mais prends le. Putain, t'es con. On va trouver une poubelle maintenant, à moins que tu veux que je mette de la crotte dans ta voiture. Trouvons une poubelle. T'arrête de chier de la merde. Il peut pas chier de la merde de fois. Non, bah ça arrive, mais là il a déjà fait un gros caca ce matin donc c'est bon. C'est... Comment tu sais quand il a la diarrhée? Bah tu ramasses, mais c'est difficile à ramasser. Il faut prendre ça avec une paille. Je te jure, s'il refait une crotte, bah tu ramasses. Ça va très mal aller, hein. Ça va absolument pas mal aller. Tout ce que je vais faire, c'est la ramasser. Je vais rien faire du tout, je vais subir mon destin. Hey, est-ce qu'il s'est essuyé le cul parce qu'il va rentrer dans ma voiture? Non, mais c'est propre son cul. Non, mais tu peux prendre des feuilles d'automne. T'as qu'à essuyer son cul si tu veux. Je vais essuyer son cul un peu. Vas-y. Stay there. C'est bon, c'est propre, il a rien. Il me faut du désinfectant là. J'ai ramassé une grosse bouse de vache. Moi, je suis fière de toi. Toi, tu fais ça 3 fois par jour. 36 fois par jour. Incroyable. J'ai au final, t'as dû ramasser peut-être des kilos et des kilos de merde, genre peut-être des tonnes. Bah, je peux dire que ce matin, il y avait déjà 1 kilo. Non, t'aurais jamais pu ramasser la merde de ce matin. C'était une bouse de vraiment de cheval. Oh mon dieu. Oui. On a été acheter des sushis, petits sushis. Ceux-là, ils sont au homard, ça me dégoûte. Oh my god. Look at this. Est-ce que le repas est payé, patronne? Il est payé, ouais. Ça fait plaisir. Surtout que je lui ai donné ma carte bancaire tout à l'heure. Il est payé avec ta carte. Disons que c'est pas un travail avec beaucoup d'avantages sociaux, mais bon, après, on s'y fait. Petite pause repas. Soy, est-ce que je peux avoir une sauce soy? Ouais. Et l'assistante va appeler son assistante, parce que j'ai une vie, en fait, à la base. Je fais un peu ton travail, mais pour ma soeur, sauf que c'est en mille fois pire. Ah non. Voilà, c'est intense. Ah bah j'imagine. Comment s'est passée ta journée? Patronne, quelle est l'action suivante à réaliser? L'action suivante est le sablage. Oh oui, non, le sablé, fucking sablé. Et tu vas devoir monter sur une échelle avec moi. Allez, viens. Ah non, mais tu sais que moi je vais tomber, hein, c'est sûr, hein, ça. Mais attends, j'ai même pas digéré mes sushis, hein. Je vais repeindre tes murs, ça. Ouais. Mais pas avec du sablé. Mets ton t-shirt de construction. Tu vas monter sur l'échelle, tu vas faire des petits mouvements vectoriels. Comme ça. J'enlève les croûtes. Je suis venue pour enlever ces croûtes. Est-ce que c'est dans l'émission du boss, genre enlever mes croûtes? Non, mais tu m'as enlevé les croûtes là. Là, tu sors les petites croûtes avec tes doigts et tu enlèves les croûtes. La poudre de mur dans le nez. Mais je suis douée.
si j'aimais bien faire ça, je le ferais tout le temps. La maison de ma soeur est en travaux et tu veux faire une photo en fait dans les travaux? Bah ouais, voilà, juste une photo dans ma vie quotidienne au final. Oh pardon, désolé. Mon café s'il serait renversé, je serais vraiment fâchée. Attends, je vais mettre là. J'ai failli faire encore une boulette les gars. Là, pourquoi encore? Hein, pour rien. Ça sent les dessous de bras de ma grand-mère. Genre je veux une photo genre tu vois en mode de dos comme ça genre. Ok, vraiment plein pied. Ouais, nul genre. Ok, nul, une photo style nul. Ouais, okay. Nul, une photo nulle. Ok, photo. T'es capable ça de faire. Ça c'est mon domaine, ouais. La nullité. C'est ton truc. Le truc que tu peux faire, tu peux prendre de la peinture et après tu passes dessus, ok? D'abord on va faire sans la peinture pour voir si on fait des belles photos, on va faire sans. J'aime okay. Bien l'angle et tout. Fais une comme ça déjà. Ok cute, essaye de passer le rouleau un peu genre, est-ce que tu peux faire un geste? T'es en train de bander, oh my god, me prends en photo. What the fuck, je m'attendais pas du tout. Oh my god, you look cute. Oh my god, maintenant on va faire la version de la photo avec de la vraie peinture. Faut pas que j'éclate mon plancher à 3000 balles. Merci qu'elle me demande. Plancher à 3000 balles. Ça a l'air extrêmement bien. Ça j'ai peur. Oh, tu vas me laisser faire, Soy. Tu fais n'importe quoi. Comment je fais? Je peux m'enlever la chaussure parce que je vais glisser avec. Ok. Lève mes mèches sur ma tête. Je fais quoi? Oui, voilà. Ok. Vas-y. On voit pas tes talons, Soy. Ah ouais, c'est vrai, je t'ai pas mis. Tenez. Allez, la peinture dessus, yes. Ok, attends, je vais l'essuyer. Ça va être un enfer, ces photos. Ça part? Ça part. Je prends pas le temps, là, je vais tomber. Hop, l'autre. Fermez, s'il vous plaît. Ouais. Rentrez, appuyez. Je vais fêter dessus. Non, faites pas ça, Soy. Ok, c'est parti. Change ta main un petit peu ici. Est-ce que tu fais un eye contact à la caméra? Oh, c'est joli, ça. Ouais, quand t'essaies de grab très haut, ça va prendre des pieds, j'avoue. Ouais, c'est trop mignon, ça. Photo terminée, maintenant, on va s'attaquer à la peinture. Tu sens le chien toi? Bah c'est un chien. Ah, je suis lessivée. Est-ce que le défi est relevé, ça? Franchement le défi est largement relevé hein. Vous avez fait tout ce que je voulais hein. Vous avez refusé aucun de mes ordres. De vos ordres secs et vifs. Vous avez bien ramassé la crotte des idées, je suis fière de vous. Ça c'était vraiment le pire moment. T'es trop mignon, on dirait un gros chat. Mais un chien. Il veut que tu ramasses sa merde. Ah non. Je suis un peu lessiveux aussi, j'avoue. Si jamais vous voulez voir une vengeance, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Jeanne et Roman parce qu'il y a une vidéo qui va s'en venir et elle est pas prête. Non, du tout. Elle va sûrement sortir en même temps en plus. Bon bah voilà guys, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'aura plu de manière moyenne. Mais j'ai réussi le job donc je suis contente, je suis fière de moi. Bravo. Est-ce que je suis embauchée? Bah t'es... Non, pas encore. Il faudrait une semaine d'essai. Je le ferai pas, je démissionne, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à cette chaîne. Et by the way, j'ai une nouvelle chaîne aussi, Romy Victory Replay. Vous pouvez vous abonner, je me suis lancée sur Twitch, guys, il y a quelques mois. Et du coup, j'ai lancé cette chaîne secondaire pour que vous puissiez accéder à tous mes lives en replay. Que vous puissiez voir tout ce que vous avez manqué sur Twitch. Des fois il y a ma soeur, des fois il y a Vincent, des fois Bernadette. Des fois il y a Bernadette aussi. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Ça, ce truc, c'est ma sœur. Cette chose inerte. 1, 2, 1, 2, test micro, 1, 8. Ça, c'est moi. Vous vous demandez pourquoi je suis là? Ce serait trop long à vous expliquer. Mais revenons jusqu'au début. Il me faut un café. Dans cette vidéo, je vais devenir son assistante personnelle pendant une journée.